Yo tout le monde, c'est Alex et on se retrouve pour ce nouvel épisode d'OTA. Oui, je sais, ça fait un moment qu'on s'est plus vu, mais j'ai fait beaucoup de choses pendant cette petite semaine d'absence. Alors première chose que j'ai faite, comme vous pouvez le voir, c'est que j'ai été chez le coiffeur. Oui, c'est très important. Maintenant, j'ai l'air un petit peu plus classe qu'avant. À part avoir été chez le coiffeur, j'ai aussi reçu un spinner. Il est bleu en plus, j'adore le bleu. Hein? Voilà, c'est tout. Ben voilà, c'est tout ce que j'ai fait. C'est pas mal, hein? Non, sans blague, il y a eu beaucoup de changements pendant ces quelques semaines. Je vous explique, mercredi passé, j'ai été faire de la voile et donc vous deviez avoir l'épisode d'OTA numéro 26 normalement. Sauf que nous sommes arrivés sur le voilier, sur le lac, et que là, rien, pas de vent, nada. Donc, vidéo complètement nulle parce qu'il s'est rien passé, on n'a pas givé, donc ça veut dire on s'est pas mis sur le côté en mode de, y a de la vitesse, on se penche dans tous les coins. Alors que j'avais quand même pris de quoi faire des très beaux rushs, donc j'étais un petit peu embêté et donc pas de vidéo. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je vous explique, moment pour que je vais pouvoir vous expliquer, vers le mois de avril, début avril, j'ai décidé d'arrêter mes études. J'avais pris des études d'éducation physique et en fait, il y avait des choses, enfin, ça me plaisait pas. Je suis pas bon en sciences, je suis pas bon en maths et voilà, en fait, il y avait quasiment que ça et donc voilà, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Donc, du coup, vu que j'avais arrêté mes études, mes parents, ils se sont dit, t'es en train de rien foutre, donc t'as intérêt à trouver un job, autrement ça va mal se passer. Donc en même temps que je vous faisais OTA, que je m'entraînais, etc., je cherchais après un job et donc j'avais posé des CV un petit peu toutes les semaines pour trouver un job. Malheureusement, ça n'a pas été très concluant tout de suite, mais maintenant j'ai trouvé un job, je travaille 4 jours sur la semaine. Donc, vu que je travaille mes 4 jours sur la semaine, c'était un petit peu compliqué pour moi de vous tourner OTA, il fallait que je trouve une nouvelle organisation. Donc j'ai réfléchi beaucoup et donc on en est arrivé, enfin j'en suis arrivé parce que vous n'êtes pas au courant, à ces déductions-ci. Premièrement, je me suis dit, je vais arrêter OTA, j'aurai pas le temps, ça ira pas, entre les entraînements, le travail, etc., ça ira pas. Donc ici, il y a deux choix possibles. Soit je continue des vidéos, j'en fais le maximum, mais pas une par jour, et on continue sur la base de ces OTA, épisode 28, 29, 30, etc., et on garde le même principe. Alors, vous pourrez remarquer dans la vidéo d'aujourd'hui, j'essaye d'améliorer le montage un maximum, donc c'est ce que j'essaye de faire là, aujourd'hui, c'est ce que je ferai pour la suite, et c'est pour ça que j'ai dû travailler, parce que pendant cette semaine où je n'ai pas sorti de vidéo, j'ai regardé énormément de vidéos, j'ai téléchargé un max de packs, ça pour pouvoir vous peaufiner un montage très très bon et donc on verra aujourd'hui ce que ça donne. Ou alors on stoppe OTA complètement, voilà, on dit maintenant OTA c'est terminé et je vous fais des vidéos, voilà, une ou deux vidéos par semaine comme les autres youtubeurs, etc. Donc je vous invite à commenter, enfin pas commenter, on va plutôt dire, je vous invite à répondre au petit questionnaire qui est là, je pense. C'est une petite fiche, vous mettez si oui on continue OTA avec une vidéo par jour ou sinon on ne continue pas. Attention qu'une vidéo par jour, je tiens à préciser qu'il n'y aura pas de vidéo le week-end sauf exception et qu'il n'y aura pas de vidéo le jeudi. Pourquoi? Parce que vu que je tourne la vidéo la veille, donc aujourd'hui on est jeudi, ça sort jeudi, c'est parce que c'est comme ça. Mais vu que la veille, c'est le mercredi, et que le mercredi, je travaille une journée complète, je ne saurais pas vous tourner de vidéo, et donc pas de vidéo égale pas de vidéo, et donc pas de vidéo. Ensuite, j'ai travaillé pendant un moment sur un projet qui est le projet SportWith. Je vous en dirai plus plus tard dans une autre vidéo. En attendant, ici, je vous mets le lien de la page et du site internet dans la description. Allez y faire un tour. En fait, je travaille sur une application et un site web et ça peut vraiment faire un tabac. Donc, je vous invite à, si vous avez envie de suivre le projet, d'aller là-dessus. Il faut savoir que j'ai perdu énormément de motivation quand j'ai vu que ça marchait pas. Enfin, je m'en doutais que ça allait pas non plus être vraiment génial. Et je remercie les gens qui me suivent et qui me soutiennent, qui m'envoient des messages souvent. Qui mettent des pouces bleus, qui commentent, ça me fait vraiment très plaisir. Mais on est arrivé à un moment, j'en avais déjà parlé d'ailleurs, où ça marchait plus, il n'y avait plus de j'aime, il n'y avait plus autant de vues, je perdais des abonnés, etc. Et je me suis dit, oula, il faut changer un truc, est-ce que c'est ce que j'ai essayé de faire. Et donc, je sentais que la motivation, je la perdais parce que je me suis dit, tu fais ça et au final, il n'y a personne qui regarde. Donc, j'ai laissé complètement tranquille YouTube et je suis revenu ici il n'y a pas très longtemps sur YouTube. J'ai été voir et je me suis dit, waouh, t'as quand même pris sans rien faire 10 abonnés. Les gens se sont inquiétés, il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé comment ça se fait qu'il n'y avait pas de vidéo, etc. Et donc me voilà, je suis là et je vais essayer de faire les vidéos et les montages de façon décalée et de beaucoup plus drôle. Alors ici c'est un peu compliqué de le faire parce que c'est une vidéo un petit peu plus sérieuse, vois-tu. Lundi, mardi, mercredi, ça ferait 4 vidéos par semaine. Je pense que 4 vidéos ça peut être pas mal, on pourrait peut-être en rajouter une 5e le week-end avec une compétition par exemple. Enfin, dis-moi dans les commentaires ce que tu préfères et comme ça je sais, mais participez à la chaîne s'il vous plaît, dites-moi ce que vous aimeriez voir.
ça me ferait extrêmement plaisir parce que moi je serais pas tout seul à décider. Il me reste très peu de batterie, donc ce que je te propose c'est de lâcher un gros pouce bleu, de mettre un commentaire, un maximum de soutien, ça me ferait extrêmement plaisir. J'aime pas demander ça, mais là sincèrement j'en ai besoin pour voir qui me soutient et qui me soutient pas, qui a envie que ça continue, qui n'a pas envie que ça continue, qui a envie de voir du OTA, qui a envie de voir autre chose que du OTA. Dites-moi tout, signalez-le moi. Cette vidéo s'arrête là. Moi en attendant aujourd'hui ma vidéo de tournage, enfin ma journée de tournage n'est pas terminée parce que je vous tourne déjà la vidéo donc de lundi et qui sera une vidéo très intéressante. Donc c'est une vidéo que je vais mettre aujourd'hui et demain à tourner. C'est parti. Salut. Fessé sur le 4-4, me laisse pas avoir par la trap, garde rouge, karma. Je vois l'envie sous tes sarcasmes. Fessé sur le 4-4, me laisse pas avoir par la trap, garde rouge, karma.